Thanks a lot, Karine. Very nice to meet you. So I'm an orchestra conductor, and just to introduce myself, I started music when I was really small. I was 3 years old. I started by the violin. Right. So what do we see here? We see a very small ensemble of musicians, and there is no conductor. Why? You have to understand that in the modern orchestra, for example, when you are a violinist and you sit on the edge, you don't hear absolutely nothing of what happens maybe in the cello section or in the wind section. The first role of a conductor is really something that's extremely important, but it happens like months or weeks before. À cette nouvelle conférence consacrée aujourd'hui à la valeur qui nous est chère. Alors, qui mieux placé pour parler de résonance qu'un chef d'orchestre ? Nécessaire de revenir en arrière pour essayer de comprendre au fond ce qu'est un orchestre. La musique est portée par elle-même. Complexité instrumentale et aussi des dimensions qui sont complètement différentes. Alors pour ça, je pense qu'il faut identifier trois grands rôles au chef d'orchestre. Très mignon, c'est un petit garçon qui doit avoir, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 ans et qui dirige un orchestre. Je vous laisse regarder. Et pour ça, je voudrais vous proposer un petit exercice qu'on va essayer de faire malgré le fait qu'on soit en vidéoconférence. Si vous voulez, devant votre écran, mettre vos mains comme ça, et on va imaginer que vous êtes un musicien d'orchestre, et moi donc, je suis le chef d'orchestre. Alors, bon ou mauvais, on va voir. Est-ce que ce chef d'orchestre est en fait un bon chef d'orchestre, compétent ou pas du tout? Est-ce que c'est un incompétent, un peu farfelu? Que vous auriez envie, vous, en tant que musicien, d'être dirigé par Riccardo Muti? On remarque la peur, on remarque l'agressivité. Il a une gestuelle extrêmement curieuse, floue, tremblotante, énigmatique. Pourquoi il fait ça? Mais là, hélas, ça ne fonctionne pas. Ce genre d'attitude donne des orchestres mous, des orchestres blasés et des résultats en concert qui sont très décevants. À la fois, apporter quelque chose, un cadre, une suggestion, un charisme, une proposition musicale, tout en laissant une grande liberté aux musiciens.